8. On va parler carburant. Eh ouais, carburant. Le prix des carburants, c'est cher. Combien tu gaspilles en carburant chaque semaine, Romano? Ah bah moi, je fais un plein toutes les deux semaines. Moi. Deux semaines. Donc t'as quoi? T'as 50 euros par semaine? Oh bah 50 ouais, euros par près, semaine ouais. Fois 52 semaines, Romano. Ah bah ça fait sacrément cher. Bah ouais, fais-nous le calcul mental, vas-y comme ça. Moi que tu veux que je demande à Cédric. Bah ouais, tiens Cédric. Bon là, je suis pas là, je suis malade. Bah non, t'es là, si. Tranquille. Alors, ça fait 2500 euros par an. Eh bah. Et ça. Et ça fait bien cher. C'est bien cher. Plus de 2500 euros par an, 2600 euros par an pour ta voiture. Eh bah, c'est la folie. Je sais pas combien ça vous coûte à vous. Ou alors, si vous avez un scooter, ça coûte moins cher un scooter quand même. Tu devrais venir en scooter. Ouais, pour me tuer. Oui. Voilà. Bien pratique sur une plaque de verglas. Ouais, oui. Bon, conseil pas cher concernant le carburant là ce matin. C'est parti. Et problème avec du carburant justement. Hein. Allez, on carbure. C'est des conseils pas chers. C'est des conseils pas chers. C'est des conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Et voilà. Conseil pas cher et dans un instant, 50 Eminem. Non, 50 et Jeremiah. On va retrouver un gros souvenir, c'est super ça. Avant ça, donc, explique-nous. Alors, une petite histoire dans le sud de la France, une station-service, une quinzaine de véhicules en panne après avoir fait le plein dans cette station-service. Les gens ont fait le plein, ont fait 1 ou 2 km, la bagnole a toussé, elle s'est arrêtée. Bon, a priori, il y aurait un problème, il y aurait de la flotte dans le carburant. Déjà, c'est content, ça coûte bien cher déjà le plein, mais en plus, ça te prend pas de ta voiture. Et donc, là, les gens, bon, là, il y a des résultats qui sont en train d'analyse, qui vont être publiés. Et a priori les gens vont être remboursés. Ce matin je vais appeler des stations service en leur disant que ma bagnole est tombée en panne une fois que j'ai fait le plein chez eux. Elle démarre plus. Donc soit je demande un plat gratuit. Elle démarre plus. Eh ouais, elle démarre plus. Station BP. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, c'est la station service. Oui. Oui, bonjour. Hier je suis venu faire un plein chez vous là. Oui. Et en fait, je sais pas, il devait y avoir un problème dans votre carburant. Ma bagnole s'est arrêtée à peine quoi, à peine 2 km plus loin. Hein. Et là, ce matin, c'est pareil, ouais. J'ai de la démarrer, impossible. Vous avez mis le bon carburant dedans? Ah bah, j'ai mis le bon carburant, j'ai mis du diesel. Et c'est ce qu'il faut ou quoi? Il y a le petit autocollant sur le machin du réservoir, là. Et le pistolet noir que vous avez pris? Bah, je me souviens plus, mais bon, c'est le bon pistolet, hein. C'est pas la première fois que je venais, la première fois que j'ai ce souci-là. Est-ce que vous pourriez me faire un dédommagement, quand même? Je sais pas, c'est de rappeler quand la chef sera là. Elle vient vers quelle heure, celle-là? 8h, 9h. Ah bah dis donc, ça emmerde pas. elle reste jusqu'à 19 après. Hein. Ah bah oui. Bon, et vous, si je viens vous voir, vous pouvez me faire un truc? Non. Genre une pompe gratuite? Ah bah moi non, je peux carrément pas, ça va être déduit de ma paye, déjà qu'elle est pas grosse en plus. La patronne peut-être peut bah, faire bah, une la, pompe la patronne, gratuite. Elle fera une pompe gratuite, j'imagine qu'elle gagne mieux sa vie que vous. Bah ouais, je sais pas, essayez de voir avec elle. Bon bah je viendrai vers 8h alors. Ouais, 8h30. Ok, ah ouais, d'accord. Ok, bon bah je passe dans la matinée alors. Ok. Merci chef, bon courage, au revoir la station. Et bah voilà, tout à l'heure. Par la pompiste, on nous dit sur la chaîne. Merci Vincent pour ce très beau message. Et oui. Et oui, Romano va se faire pomper ce matin au premier coup de fil, bravo. Bien pratique. Et oui, bien pratique. Alors, je vais quand même doubler. T'es content d'inventer une panne? Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est la station service? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Hier, je suis venu faire le plein là chez vous là. Ah, faudrait rappeler à partir de 8h, monsieur, parce que j'ai personne au bureau. Ah bah ça oui, mais attendez que je vous explique. Oui. Parce que j'ai eu un problème, ma bagnole est tombée en panne une fois que j'ai fait le plein chez vous. Mais alors, je suis quelqu'un de la cafétéria et pas de la station. C'est le même bâtiment et le même standard. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce qu'on allait manger un truc hier et on est tombé malade. Aussi. Ah oui, terrible. Eh oui. Bon, on aime bien votre station, on reviendra, mais je reviens si vous me donnez un petit truc gratuit. Hein. Un truc bon cette fois-ci. Bien sûr. Parce que j'ai acheté un sandwich, j'ai chopé une chiasse carabinée. Terrible. Ah ouais. Donc j'aimerais bien qu'elle... Et après, on a fait le plein et la voiture, elle démarre plus. Je vous dis, on va appeler à partir de 8h. Ah, mais pour les sandwichs, c'est vous qui les faites? Oui. Ah ben, j'aimerais bien en reprendre un pour avoir encore la même chiasse qu'hier. Pour voir si c'est vraiment ça qui l'a rendu malade. Ouais, on va faire un test. Je vais venir chercher un sandwich gratuit, là. Ok. Eh ben, tout de suite, alors. Oui. Je prendrai un café. J'espère qu'il sera aussi dégueulasse que le sandwich. Eh bien, je compte sur vous en tout cas. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà. Et voilà, un sandwich en plus. C'est super les stations service en fait. Eh ben très sympa. Ce matin, vous avez eu la belle démonstration pour vous expliquer comment faire pour aller à la station service gratuit à l'œil. C'est ça, ouais, pour aller en gros les carotter. Exactement. Belle démonstration. Bravo Romano. Et vous mettez 50 euros par semaine, beaucoup, hein, j'ai vu dans les messages que vous nous laissiez. Eh ouais, bosser. Ça coûte bien cher. Bah, utilisez ma combine. Eh ben une belle combine pour faire. Avec un peu de chance, vous prenez un coup de poing dans la gueule de la part
faire du pompiste. Tellement vous le mettez à bout de nerf. En cadeau. En plus de chance, vous faites pomper par la pompiste. Eh ben voilà, le bonheur. C'est pas beau, 6h13 sur Sky. Au week-end, à partir en vacances. À l'aventure. C'est bien de parler du week-end en plein milieu de la semaine. Mais ouais, c'est bien. En plus, bon, pour certains, les vacances arrivent. C'est vrai, oui, bientôt les vacances. Eh ben, un bon plan pour partir gratuit, pas cher. Première zone, c'est la fin de la semaine prochaine. Eh ouais, ben, préparez-vous. Eh bien, pour là, partir. Je crois qu'on va vous faire rêver. Où est-ce que vous aimeriez partir? On part en France, hein. Faut choisir une région française. Ouais, moi, je vais au ski, moi. Au ski, quelle est. Alors, on a fait choisir les régions par Flavien, hein, ce ouais, matin. C'est ça, ouais. Quelle est la région que tu proposes à Romano pour les vacances? En premier, on va aller dans le Gers. Dans le Gers, pourquoi pas? Ouais. On mange ouais. bien là-bas et tout, c'est pas mal pour. Oui, par contre, les montagnes, bon moyen. Hein. Non, il n'y a pas le montagne. C'est des ouais. collines, mais bon. Pour le ski, c'est pas super. Quoi, ouais. Non, pas super. Bon, on va faire avec ce qu'il y a, quoi. Bon, conseil pas cher, c'est parti. C'est les conseils pas chers. 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 Alors, dans le Gers, on va. Ouais, sinon j'ai le 55. Alors, la combine, je vous explique, il y a une émission. 55, c'est la Meuse. Ouais. Tu vas en vacances à la Meuse. Ouais, c'est sympa, non hmm ouais. Bah, t'iras hors antenne. Ah non, il les a sélectionnés pour toi, Romano. Oui, bonjour, monsieur. Le bonjour. Gers. Allô. Oui. Oui, je suis bien dans la chambre d'hôte. Gîte de France. Ah, Gîte de France. Eh ben, c'est vous que je voulais avoir, ça tombe bien. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince de TF1 Productions à l'appareil. Je vous appelle, vous savez, pour l'émission, là, Bienvenue chez nous, là. Vous savez, ouais. le concours de maison d'hôte et de gîte. Ah. Et vous avez jamais vu la télé? Non. C'est passé l'année dernière sur TF1, là, ça revient cette année, là, où on est en train de faire le casting. Et je serais bienvenu visiter votre petit gîte, là. Oui. Pour voir si vous pouvez vous sélectionner. Oui. Donc je peux venir passer la nuit chez vous? Quand? Bah, dites-moi quand il y a de la place ce soir. S'il y a de la place, je suis dispo. Hein. Oui. Bon, bah écoutez, je viens ce soir, alors. Attendez deux secondes. Vous regardez le planning. Pardon ? Vous regardez le planning ? Oui, oui. Eh ben, regardez bien. Parce que ça, c'est un gîte, hein. C'est pas une table d'hôte. Ah, oui, mais c'est pas grave. On peut dormir, de toute façon. Oui. Ah, bah, c'est nickel. Il y a de la place ce soir ou pas ? Pardon ? Alors, ce soir, il y a de la place ? Attendez deux secondes. Ouais. Ah, j'ai compris le stratagème. C'est pas mal. Je me fais passer pour la télé. Oui, j'ai vu, tu te fais passer pour la télé. Comment elle s'appelle, cette émission ? Bienvenue chez nous. Ça doit être très intéressant. Ouais, c'est un concours à la con, mais. Ouais, bah ouais. C'est un espèce de dîner presque parfait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais dans les tables d'hôtes. Comme les mariages, ça, ouais. là, qui jugent les mariages entre eux, bah là, c'est pareil. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a comme émission à la con à la télé quand même c'est Mais ça, ouais. bien utile pour les conseils pas chers. Alors, le planning? Pas mal, tu vas aller dans le Gers. Bon, a priori, si c'est pas bonsoir, tu prends pour le week-end. Ah, bah voilà, il nous a entendu, putain de merde. Ah, merde. Putain, obligé d'aller dans la Meuse. Ah, bah tiens, le rêve. Le 55. Dans la Meuse. Là. Si vous voulez aller en vacances à Verdun. Wow. Ah, petite vacances à Verdun. Bonjour. Oh, tu vas kiffer. On salue les Meusiens qui nous écoutent. Bonjour à Rome 55 là, qui nous ah, tu veux me payer l'apéro en plus. Ça va avec plaisir. Bon, si on vient en vacances dans la Meuse à Verdun. Bonjour. Bonjour. Ah, bah, putain, sauvé, on va pas dans la Meuse. La chambre d'hôte et la fermée. Ah, sauvé, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'est l'autre destination de rêve? Là, on a le 59 ou 84. Ah, ce sera le 84. Allô. Allez, du côté d'Avignon. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je suis bien chambre d'hôte, gîte d'hôte. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince de TFA Productions à l'appareil. L'émission Bienvenue chez nous, vous connaissez? Oui, je connais monsieur. Eh bien, on voulait vous proposer de participer, faire un petit casting. Je vous remercie monsieur. Ah bah, de rien ma bonne dame. Donc ce qui va se passer, c'est que ce soir, je viens dormir pour juger un petit peu l'état des lieux. Et puis après, on verra si on vous prend ou pas. Donc j'arriverai vers 15h moi. Deux petits tours. Oh, bah, voilà. Bon, bah, tout. En plus, elle me remercie. Dans le 84. En plus, c'est pas mal. Ouais, ça, oh, va, bah, ça va, c'est du côté d'Avignon, il y a pire. Voilà. Je rappelle qu'on était à Verdun il y a un instant. Bon. Oui. Ah, donc maintenant, Avignon, t'as l'impression d'être au Caraïbes. Ah, bah, c'est le rêve. Bravo, Romano, quelle bonne idée géniale. Tu sais, tu pourrais faire la même avec un dîner presque parfait. Ah, tu vas dans des restos, je travaille pour un dîner presque parfait, on va le faire dans un restaurant la semaine prochaine. On aimerait goûter la nourriture, tu vas bouffer, gratuit, pas cher. Voilà. Bah écoute, bravo Romano. Eh ben c'est bon, la dame est partie noter mon nom sur l'agenda. Je sais pas ce qu'elle fait, mais Cédric reprend là. Ouais, vas-y. Et donc Romano partira ce week-end dans le Gers, dans la Meuse. Ah non, la Meuse c'est pas bon. Eh non, pas dans la Meuse. Dans le Gers et dans le Vaucluse. Eh bien, je partirai à Avignon, parfait. Je vais le faire ton conseil et le week-end je pars en vacances. Pas ah bah, non mais n'hésitez pas. Hein. C'est Bono qui nous laisse le message sur ça SMS. Peut marcher la preuve. Hein. Merci Bono. Bah c'est comme une lettre à la poste. Nickel. Et voilà, nickel. Moi je pars à Avignon, tranquille. Bon, on va vous demander, on va vous poser une petite question. Si vous deviez faire la teuf avec une star, avec quelle star feriez-vous la teuf?
Une star à choisir. Alors, évitez... Qu'une seule, une ou un groupe si tu veux. Enfin, une star. Tu vas faire une star. Avec une star, vous choisiriez qui? Dites-nous sur SMS, sur le. Ah, déjà une bien blindée, histoire qu'elle me paye tout. Ouais, c'est clair. Une belle teuf, quoi. Et dans un instant, faites un anniversaire. Allez, préparez-vous. Eh oui, c'est le carburant. L'essence. Ah, ça coûte bien cher, le diesel, le sans-plomb. Tout est cher. Tout. Eh ben, écoutez bien cette méthode de conseil pas cher, testée, approuvée tout à l'heure. Tentative maintenant pour vous qui venez de vous brancher sur Sky. Conseil pas cher, spécial carbu ce matin. Allez. C'est les conseils pas chers. 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 Alors, comment tu fais? Écoutez bien, ça a marché tout à l'heure. Alors, fais-nous une démo, mais une belle. Hein. C'est un truc qui s'est passé dans le sud-ouest. En fait, il y a des gens, ils sont partis à la pompe à essence. Normal, ils ont fait le plein, ils ont payé. Bon, ils sont partis, ils ont fait moins de 2 km, la bagnole s'est arrêtée. Des études scientifiques sont en cours et ils rigolent tous comme des cons, mais si ça vous arrive. Bah, t'es dégoûté. A priori, il y aurait eu un mélange avec de la flotte dans le carburant, donc pas bon pour le réservoir, pas bon pour le moteur, ça fout la bagnole en panne. Ouais. Ce matin, j'appelle des stations-service, je vais leur dire que j'ai eu un problème, j'ai pris du carburant chez eux, ma bagnole est tombée en panne. Et ouais. Et donc tu demandes un plein gratuit? Bah au minimum, ouais. Pour qu'elle retombe en panne. Ah bah ouais, parce que tellement ils ont du bon carburant. Alors c'est parti, on va dans les stations-service de France. Ouais. Où est-ce qu'on va là ce matin? Cédric. On va à la station Philippe. Voilà, la station Philippe. Allô, allô, la station Philippe. Oui, c'est ça. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Bah, bon, dites voir, j'ai un petit souci là. Hier, je suis venu faire un plein chez vous là. Oui. Et la bagnole, elle est tombée en rade. Hein. Pourquoi? Bah, je sais pas, à mon avis, ça vient de votre carburant. Hein. Ah non, c'est pas possible. Hein. Ah bah écoutez, bah, je suis avec mon garagiste. Ah, c'est pas possible, monsieur. Oui. Et je vous dis ça, c'est pas possible parce que. Allô, madame. J'ai fait énormément de gasoil. Allô, oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis garagiste. Écoutez, je suis dans la voiture, elle ne démarre plus. Hein. Bah écoutez, c'est pas possible parce que j'ai servi énormément, puis nous c'est produit total. Ah ouais, mais il doit y avoir un problème. J'ai fait une analyse du diesel, il était mélangé à de l'eau. Et donc forcément, ça crée des bulles. Non. Ah, il y a des bulles, moi je vous dis, des bulles. Ah oui, bah écoutez, je sers énormément de clients, monsieur. Alors attendez. Vous pouvez venir à la station tester, j'ai aucun problème. Eh bah, je vais venir tester pour avoir un plat gratuit. Voilà, c'est ça. Eh bah très bien, bah c'est ce que je voulais, bah nickel. Oui. J'arrive et on verra si ce carburant il marche mieux. Hein. D'accord. Eh bah à tout de suite alors. Vous êtes qui d'abord? Monsieur Lapin, vous allez me voir arriver, je klaxonnerai en arrivant. Il est petit. Oui, vous êtes qui? Vous êtes venu hier? Qui c'est? Je ne vois pas qui. Petit et chauve. Ah bah c'était ma femme, elle a mis le carburant, bon. Mais elle s'est pas trompée, j'ai vérifié, hein, je l'ai goûté. Ah ouais. C'est une blague. Non, je l'ai goûté, c'était du gasoil sûr. Écoutez, non, là, c'est impossible. Hein. Ah bah impossible, on verra ça tout à l'heure, je viens à la station, ma bonne dame. Écoutez, moi je vais appeler mon mari et puis il va venir exactement quand vous arrivez, vous m'appelez, je klaxonne, vous mettez la pompe en route et puis je partirai moi. Ah oui, non, j'attendrai que d'avoir mon mari qui arrive pour voir avec lui. Hein. Ah bah moi, parce qu'on vous soupçonne de mélanger l'essence avec de l'eau. Hein. Ah oui, bah c'est bien. Ah, c'est bien, vous avez raison. Bah, donc on va venir vérifier tout ça quand même. Écoutez là, monsieur, j'ai aucune crainte à avoir. Hein. Non, bah, très bien, bon, je verrai avec votre mari. Parce que c'est une affaire d'homme, ça. Non, bah, vous avez vu, ça marche. Hein. Vous dites que votre voiture, elle démarre plus. Ouais, le plat gratuit, elle a dit oui à un moment. Hein. Et hop, un plat gratuit, pas cher. Pas cher. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Eh ben bravo Lindsay, c'est bien, tu m'as ambiancé tout le stade de France, toi, avec Rihanna. Merci beaucoup. Salut Lindsay. Salut, salut. Merci. Alors les conseils pas chers. Alors là, on prépare déjà le week-end ou les vacances. Ah oui, c'est ton idée géniale avec l'émission de télé de TF1. Là. Ouais, bon, c'est une émission de télé, mais pétée, mais un truc incroyable. Ah oui. Bienvenue. Ce qu'on appelle irregardable. Bienvenue chez nous, ça s'appelle. Bon, c'est passé l'année dernière. En gros, c'est un concours en. Mais c'est pété. Moi, j'en ai vu une. C'est vrai, elle était pétée, mais ils sont toutes pétées. Ah ouais, c'est pourri. Hein. J'suis tombé sur deux ou trois. Ouais. En fait, bon, ils vont dans des chambres d'hôtes ou des gîtes. Oh, j'ai vu. C'est avec les ch'tis sur W9. Bienvenue. Non, c'est pas ça. Non. Ça a rien à voir. Et en fait, ils jugent entre eux, quoi. Genre, ah, votre gîte, il est pourri. Ah, votre gîte, ça pue la merde. Ah, les draps, ils sont tout pourris dans votre gîte. Bon, moi, je fais partie de TF1 Productions. Et on cherche des nouveaux candidats pour la nouvelle saison qui va arriver sur TF1. Donc ce matin, je vais me faire inviter à l'œil pour aller tester un peu le matos, quoi. Voir si c'est s'ils sont prenables ou pas, quoi.
pour le casting. Alors, quelle région allons-nous visiter? On va dans le 10. Merci. Je sais pas qu'il y a une dame qui vient de dire merci. Bah, merci, madame. Allez, oh, bah, de rien, je n'ai encore rien fait, ma bonne dame. Dans le 10, donc du côté Veuillez de 3. Patienter. Ah. Votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel. Très par le signal sonore. C'est un truc de ouf, merci. C'est qu'il y a des gens qui veulent aller là-bas. Hein. Ouais. Une demande de ouf. Et sinon, à part le 10, t'as quoi? Ou comment ça répond pas? Dans le 21. Ouais, le 21. Ah bah, bon. Bonjour. Bienvenue sur la messagerie Orange. Ah bah voilà, donc ça allô. C'était dans ah le oui. 10, désolé. Oui, allô, bonjour, je suis bien au gîte. Oui. Dans le oui. 21, la Côte d'Or, c'est ça? Oui. Ah. Eh ben, Beuillon, à vous. Comment allez-vous? C'est qui? C'est TFA Productions à l'appareil. Pour l'émission, vous savez, bienvenue chez nous, là, sur TF1. Le concours de gîte et de maison d'hôte. Ah bon? Eh oui. D'accord. Et on voulait vous faire peut-être participer, donc il faudrait que je vienne voir un petit peu l'établissement, c'est possible? Quand ça? Bah écoutez, moi, si vous êtes disponible ce soir, je peux venir. Ah non, je suis désolée, non, je serai pas là. Ah non, bah, ça demain, m'intéresse pas, tant pis. Demain, vous ne voulez pas passer à la télé, ça ferait de la publicité? Non, hein. Non, je vous remercie. Non, eh, vous non. pouvez gagner un gros lot, hein. Non, mais non, je suis pas intéressée, je vous remercie, monsieur. Bah tant pis, ma bonne dame, vous savez pas ce que vous ratez, hein. Ouais, c'est pas grave. Mais à limite, vous pouvez quand même m'offrir une nuit gratuite pour que je vienne voir un peu à quoi ça ressemble. En plus, je connais pas la région. Vous me rappelez un autre moment, là, parce que je suis occupée. Je suis désolée, monsieur. Vous êtes bien gentil. Dis mais... que tu fais un guide. Voilà, je fais un guide revoir. Également. Je travaille pour le guide Michelin. Je vais vous saquer si vous ne oui, m'inquiétez oui, pas. D'accord. Non, merci, ah monsieur. Bah, je vais mettre que c'est pas beau chez vous. Au revoir. Dans mon guide. Je le mettrai, madame. Oui, d'accord. Eh ben, bah, écoutez, bonne journée à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Elle est très contente que je dise. Bon, oh, bah, mettez-le, que c'est pas beau. Il est pourri, mon gîte. Hein. Ah, mais oui, elle est contente. Ouais, mais bon, tes vacances. Eh, pour le moment, que dalle. Bon, attention, la Bourgogne, je connais, j'habite à côté. On va où, là? Là, on réessaye le 10 ou sinon il y a une autre région. L'autre région, c'est le 12. Allô? Allô? Oui, bonjour, je suis bien au gîte. Ah, chambre d'hôte, oui, bah, c'est parfait. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapin, c'est l'appareil de TFA Productions, là, l'émission Bienvenue chez vous, chez nous. Oui. Oui, vous avez déjà regardé? Vous savez, c'est le concours entre les maisons d'hôtes, là. Ouais, c'est possible. Oui, et on voudrait venir peut-être vous sélectionner, là, on voudrait venir visiter l'établissement. C'est mes parents qui s'occupent de ça et ils sont en vacances, donc. Ah, bah, vous voulez pas prendre leur lait? Ah non. Ah, comme ça, vous passez à la télé. Je fais déjà de l'élevage, alors. Je veux pas tout faire. Ah, ben bah vous pouvez pas tout faire. Hey. Mais non, bon. Non, mais vu qu'ils sont pas là, limite, je pourrais venir squatter un peu le shit, moi. Oui, sûrement. Ouais, comme ça, je m'installe dans le truc et puis je suis bien, quoi. Ah, ouais, bah je vais venir ce matin alors. Oui, là, bah si vous voulez, vous pouvez venir, y a personne. Non, mais je viens de trouver là dans ton élevage et puis bon, tu me payes un café, tu me montres les bêtes et puis après je m'installe dans la baraque. Ouais, bah à mon avis, on n'est pas rentré parce que. Et tu travailles également pour. Je travaille pour l'amour et dans le voilà. Pré également. Ouais. Et si vous voulez, bah à la rigueur, si c'est la petite dame qui vient, je veux bien. C'est plus agréable. Ah, Karine Le Marchand. Oui. Ah, bah elle va venir avec moi. Oui. Mais seulement si on peut squatter le gîte. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, on arrive dans la matinée alors. Eh bah oui, si vous voulez, mais c'est pas de problème, je vous paierai un café à la rigueur comme bon, ça. Bon, bah limite, ou sinon je le chez toi. Oui, bah ouais, si vous arrivez à rentrer, c'est le principal. T'as bien une piole. Oui. Bah écoute, je dormirai avec toi, parfait. Oui. Bon, on s'occupera des bêtes tous les deux. Oui. Ah, ça sera romantique et bucolique. Oui. Bon, bah écoute, j'arrive dans la matinée, alors à tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, ciao. Ah bah voilà, je vais loger chez l'habitant. Bien pratique ces émissions de télé, en plus il paye un café. Ah bah sympa comme tout. Et bah voilà. Normal. Une idée pour partir en week-end pas cher. Et voilà, je pars chez l'habitant. Ouais, là on va dans le 10. Hein. Bon bah voilà. Bon. Bonjour à vous qui nous écoutez à 3. Romano passe le week-end chez vous. Il bah arrive. C'est bien, je connais pas le coin. Bah tu vas En plus, il y a les magasins d'usine, tout ça à 3, j'irai faire un tour. Ah, ça lui plaît en plus. Eh ouais.